Good morgen, Aleid, and this is Rajon Pelelo, Nishmat, François Rajon Trana, Janine Rude, Bet Fortuna, Mazal Frita, Cloche, Lomoven, Shalom, Chaya, Ben Linda, et Solvanish, le Bet Delmar. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishta, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à 7 PA, Peri Gimel, Mishta Gimel, Machlik, Betzalim, Lachim, Lachouk, ou Mekayem, Yeveshim, Lagoren, Noten PA, le Elou, le Atzman, ou le Elou, le Atzman. Vechen Beafunim, Vechen Becherem. Amedel, noten mina meshoar al mashishier, va machalik me achat yad, noten mina meshoar al hakol. Je traduis la Mishnah, on est bien sûr, depuis le deuxième chapitre, on a commencé le sujet de savoir comment en définir, qu'est-ce qu'on considère comme un champ ou comme deux champs. C'est le sujet général, il y avait plusieurs généralités dans le Perek Bet, dans le Perek Gimel, on va entrer dans plusieurs détails. En l'occurrence, on a maintenant une situation de quelqu'un qui est Machlik Betzalim Lachim. Machlik Lachlik Betzalim, ça veut dire cueillir les oignons. Ouais. Pourquoi ça s'appelle Machlik? Machlik, ça veut dire rendre lisse. Apparemment, je ne sais pas comment ça pousse les oignons. J'imagine que ça fait des. Quand on voit dans la terre, ça fait. Ça laisse pousser plusieurs bosses. Et puis d'un coup, on rend tout lisse. Donc du coup, on utilise le terme de Machlik, de lisser. Concrètement, c'est-à-dire celui qui cueille des oignons, l'achim, la chouk. Il cueille les oignons frais pour les vendre au marché. Et puis, ou mekayem yeveshim la goren. Et il laisse planter dans la terre pour le moment des autres oignons, apparemment plus secs de nature, pour les faire entrer dans le goren, dans la grange. Soit, on a à présent, on avait une Mishnah dans le Perek Bet qui nous parlait du même principe. Là, maintenant, on va remettre le focus sur les oignons, à savoir, on a une espèce d'oignon, apparemment. Les oignons, ils sont imposables de PA. Maintenant, on a deux manières d'exploiter les oignons. Soit en les mangeant, un oignon frais qu'on vend au marché, ou soit des oignons qu'on laisse plus sécher et vieillir, qu'on utilise, pendant toute l'année. Qu'on utilise pendant toute l'année, en général, ces oignons, ils sont plus séchés et ils tiennent longtemps. D'accord? Donc, soit chez nous, on a les oignons verts, enfin, les fins qu'on mange frais, et les oignons en grosses racines qu'on garde pour plus longtemps, j'imagine que c'est un peu le même principe. D'accord? Donc, le principe maintenant, c'est qu'on a une espèce d'oignon, mais qu'on va cette fois-ci, c'est pas juste qu'on va donner deux directions aux oignons. Non, c'est pas juste deux directions, on va les exploiter comme deux espèces distinctes. D'où la question maintenant, est-ce qu'il faut donner une PA ou deux PA? Imagine que par exemple, on va prendre un cas simple, imagine que tu fais la moitié de ton champ, tu vas prendre les oignons frais, tu as les oignons quand ils sont encore frais, et puis l'autre moitié du champ, tu vas les laisser ensuite pour plus vieillir, pour en faire des oignons plus vieux. Ouais, ça peut être le cas, ou ça peut même être un peu différent, j'expliquerai ensuite pourquoi est-ce qu'on peut expliquer un peu différemment. En rapport avec le Rambam qui a une interprétation assez délicate pour la fin de la Mishnah. Mais pour le moment, donc imaginez, donc j'ai mon champ d'oignons, je décide, bon, 50% je les cueille tout de suite pour les vendre en oignons frais, et après les 50% restants, je décide de les laisser pour les utiliser en oignons qu'on va faire vieillir pour les faire entrer dans la grange et les utiliser ensuite en oignons tout de même. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, la Mishnah me dit, noten PA, la Elou l'Atzman et la Elou l'Atzman. La Mishnah me dit, tu donneras une PA à eux indépendamment, et à eux indépendamment. Parce que cette fois-ci, c'est vrai qu'initialement, c'est les mêmes graines, mais tu les exploites de deux manières. C'est pas juste que tu décides de les séparer en deux pour faire un peu en import, un peu en export, un peu dans le... Non, c'est concrètement, tu les exploites comme si c'était deux espèces, tu as transformé une espèce en deux espèces, d'accord? Idem aussi, ren bafunim, idem aussi pour afuna, alors en hébreu moderne, afuna, c'est les petits pois. Donc, Mechen, Baafonim, j'ai le même principe. Ouais, si je parle le yiddish, je vous aurais dit que c'est du Bohenen. Mais concrètement, je ne parle pas le yiddish, donc ça ne va pas m'aider beaucoup. Et voilà, quand ils expliquent Baafonim, j'imagine que ça va être la même chose. Donc, les petits pois, que ça peut se manger en petits pois frais ou en petits pois séchés, secs. Mechen, Bekerem aussi pour le Kerem, c'est la vigne. Donc le raisin, j'imagine, de nouveau, même principe, tu as trois manières d'exploiter les raisins. Soit tu vas prendre maintenant des raisins pour manger en raisin frais, soit tu vas en faire du vin, je ne sais pas à quel moment on cueille le raisin pour le vin,
à quel moment c'est le meilleur. En tout cas, peut-être aussi tu l'associes du vieillir du raisin pour ensuite faire des raisins secs, c'est une option, j'imagine. Je connais pas précisément, donc je peux pas vous aider plus, mais on aura le même principe. Tu décides d'en faire deux exploitations distinctes. C'est pas juste que tu vas faire des, tu vas cuire des carottes pour faire des carottes râpées et tu vas cuire des carottes pour faire des carottes en tranches. C'est pas, c'est plus profond. Tu les exploites comme si c'était réellement deux espèces que tu vas faire, qu'elles vont pousser différemment. Okay. La pousse de l'une va continuer pour les distinguer pour les moins. Ok. Donc tu donnes une paire pour chacun. Amedel noten minal meshoar al mashishir. Alors medel ça vient du mot lidlot. Lidlot c'est comme un lit, c'est un puits avec lequel on puise. Concrètement, c'est fréquent en agriculture de on tente notre chance, on plante plein de graines. Vous savez d'abord, je commence par là. Il y a lorsqu'on a déjà expliqué plusieurs fois, on a déjà exprimé l'idée que lorsque tu plantes une plante, tu dois lui laisser beaucoup d'espace libre autour d'elle pour qu'elle puisse fleurir et s'épanouir. Pour les arbres, c'est encore plus. Pour les légumes, même pour les légumes, il y a le même principe. Maintenant, j'ai un problème technique. Lorsque j'ai des graines, vous savez, il y a des graines qui sont un petit peu foireuses, ça ne marche pas bien. Il y en a qui marchent mieux. Alors, c'est très fréquent de planter plusieurs graines, même de manière un peu plus tsafouf, plus condensée. Et puis après, on patiente. On laisse. Quand on voit que ça commence à pousser, on regarde, oh, celui-là pousse mieux que celui-là. Donc, du coup, celui d'à côté, on va l'enlever. Et ça, le fait d'enlever les légumes de manière à ce que les autres vont mieux s'épanouir, alors ça s'appelle être médel. L'idlot, c'est qu'on les puise, on les cueille plus tôt que prévu, dans le but de laisser plus de place aux autres. Il s'avère qu'en ce moment, on n'a pas encore commencé à cueillir des légumes. Quand tu vas les prendre, c'est pas encore le moment de la cueillette. Donc il s'avère que pour le moment, tu es en train de les enlever, juste même si tu vas les manger concrètement, mais ils ne sont pas pour le moment imposables de PA. Du coup, imagine que tu avais comme ça, on va prendre, tu as 100 pousses qui ont poussé. Parmi les 100, tu vas en enlever 40, d'accord, parce que c'est très condensé. Tu as tenté ta chance, tu as vu, ensuite tu es parti cueillir 40. Donc il t'en reste 60. Maintenant, les 40 que tu as cueillis, ils ne sont pas imposables de PA. La question maintenant, elle est de savoir, quand il t'en reste 60, tu dois laisser une PA pour combien? Pour les 60 restants, tu laisses 1 pour les 60, ou tu dois laisser 1 et 2 tiers, parce que tu dois laisser, même par rapport à ce que tu as cueilli. La Mishnah vient me dire que Noten Miname Shoar Alma Sheshir. Il devra donner parmi le reste sur ce qu'il a laissé. Les Shayer, c'est laisser. D'accord? Le Shaar. Shaerit Israël aussi, ça vient du même terme. Laisser le restant, c'est le Shaar. Donc Noten Miname Shoar Alma Sheshir donnera que du restant sur le restant. C'est-à-dire les 40 que tu as accueillis au début, ils ne sont pas encore imposables de PA parce que ce n'est pas le moment de la cueillette. Et donc il s'avère que ton champ au moment de le cueillir, tu as juste 60 pouces. Tu laisses un 60e de ça. Et on a la dernière partie de la Mishnah qui est une phrase un peu délicate, ça prend deux directions différentes, il y a un vrai problème avec le Rambam quand on expliquait ce qu'il va vous dire. Pour le moment, on va expliquer sur le Bar Tanoura, même si la Mishnah elle va se retrouver du coup un peu démunie de sens. Amachlik Beachatian, celui qui va accueillir pour une seule destination. Soit on est en rapport avec le début de la Mishnah, vous rappelez qu'on avait parlé des oignons, que tu cueilles. La moitié pour les vendre au marché en oignons frais, et puis l'autre moitié tu la laisses, comme ça ils vont bien vieillir dans la terre. La Mishnah maintenant elle me dit, ben, si par contre tu ne vas pas les cueillir pour deux destinations différentes, deux finalités différentes, tu les cueilles pour la même chose, mais d'un coup tu cueilles la moitié, et tu viens plus tard cueillir l'autre moitié. Alors la Mishnah me dit, bien, noten minashar minameshoar à la colle. La Mishnah me dit, ben, tu sais quoi? Il s'avère que maintenant, donc on imagine, j'ai laissé pousser mes oignons et je veux prendre tous mes oignons pour en faire des oignons frais. Mais concrètement, il y a deux, j'essaie de donner un petit peu plus d'allure à Barthénois pour vous expliquer qu'il y a quand même un fil gauche. Donc concrètement, il y a deux fois le marché. Il y a cette semaine, il y a le marché de cette semaine, et la semaine prochaine, il y aura une deuxième fois le marché, et la semaine d'après, alors là, c'est sûr que les gens ils vont vouloir beaucoup plus d'oignons parce qu'on va approcher Rosh Hashanah et les gens ils veulent manger des oignons. Et du coup, je veux cueillir aujourd'hui cette semaine une partie et la semaine prochaine une autre partie du même champ. Alors là, attention, tu ne les considères pas comme deux espèces, c'est une seule espèce. C'est une seule espèce qui est imposable de PA parce que si tu veux, tu peux tout cueillir et tout vendre. Seulement, concrètement, tu as un intérêt à les laisser dans la terre pour pouvoir en avoir frais la semaine prochaine aussi, donc tu les laisses dans la terre. Là, ce n'est pas considéré comme deux finalités, c'est une seule finalité, donc tout est imposable de PA, premièrement, et une seule PA pour tout,
Et même mieux que ça, pendant que tu cueilles en ce moment, tu ne laisses pas pour le moment la PA, mais tu donneras la PA à la fin du champ pour tout ce que tu as cueilli depuis tout de suite. Cette fois-ci, en rapport avec la phrase qu'on a dit, Mina Meshoar al Mashachir, cette fois-ci tu dis non, Notan Mina Meshoar à la colle, tu donneras parmi ce qui reste, surtout même sur ce que tu as cueilli dans la première semaine. Vous avez compris l'idée? Je pense qu'il vaut mieux pas que je complique le cours avec le Rambam qui pose problème de toute façon, parce qu'il est apparemment mal expliqué dans le Matan Noir, donc du coup il faut tout modifier, plein de choses dans la Mishnah. On va plus se contenter de ça. Donc je récapitule pour l'histoire des Betsalim, des oignons. Si tu cueilles la moitié de ton champ pour une certaine finalité, l'autre moitié pour en faire deux sortes d'oignons. À deux PA, c'est deux champs. Un, c'est des oignons frais et l'autre, c'est des oignons séchés. Par contre, si c'est pour la même finalité mais que tu le cueilles en deux temps, parce que tu en veux un peu pour cette semaine, un peu pour la semaine d'après, alors là, une seule PA pour tout, et tu laisses la PA à la fin, tu donneras la PA pour ce que tu as cueilli la semaine dernière. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vesalam.